Parmi les événements majeurs de l'année 2015, il est probable que l'histoire retienne l'augmentation exponentielle des flux migratoires vers l'Europe. Qu'on leur donne le nom de réfugiés, de migrants ou de clandestins, leur arrivée constitue un impact majeur sur la substance de la population européenne. L'immigration vers l'Europe n'est certes pas un phénomène nouveau, que ce soit par le biais d'une immigration légale autorisée par les gouvernements, ou par le biais de flux clandestins qui jusqu'à présent atteignaient principalement l'Europe par la petite île italienne de Lampedusa. Les crises et les interventions étrangères dans le monde arabo-musulman, de l'Irak à la Libye, la Syrie et bien d'autres, ont décuplé les flux migratoires vers l'Europe, les faisant passer de 60 000 individus en 2013 à 216 000 en 2014, pour dépasser le chiffre vertigineux de 1 million en 2015. Ces flux ont été particulièrement encouragés par Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a exprimé sa volonté d'accueillir tous les réfugiés de guerre qui viendraient en Allemagne. Für mich selbstverständlich ist, dass man an eine neue Aufgabe so rangeht, dass man erstmal sagt, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das, indem wir unseren Teil leisten. Und Deutschland ist ein wohlhabendes Land. In Deutschland gibt es die Hoffnung, dass man vielleicht einen Arbeitsplatz bekommt. Man weiß, dass man gut behandelt wird. Comment ne pas comprendre, après de telles déclarations, plusieurs fois répétées, que l'Europe se révèle comme une terre à prendre et qu'il suffit de s'y rendre pour y trouver place. Ces flux migratoires empruntent désormais une route nouvelle, dans des proportions nettement supérieures à la route qui mène à Lampedusa. C'est la route des Balkans. Depuis la Turquie, ils rejoignent la Grèce par la mer, avant de poursuivre leur route par la Macédoine et la Serbie. Jusqu'en octobre 2015, ils pénétraient ensuite l'espace Schengen via la Hongrie, avant de se rendre en Autriche. En réponse à ce phénomène nouveau et brutal, le gouvernement hongrois de Viktor Orban a décidé de clôturer la frontière entre la Hongrie et la Serbie, puis entre la Hongrie et la Croatie. Malgré les critiques de l'Union européenne, la Hongrie a reçu le soutien des pays du groupe de Visegrád, qui regroupe la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne. Ces pays ont uni leurs efforts en envoyant des gardes-frontières pour protéger la frontière hongroise. Désormais, les flux migratoires transitent en Croatie et en Slovénie pour rejoindre l'Allemagne et les autres pays riches de l'Union européenne. Si la fermeture de la frontière hongroise a fait grand bruit dans la presse internationale, on entend en revanche plus beaucoup parler de la poursuite de ces flux par la route des Balkans, alors que ceux-ci restent vertigineux, à raison de plus de 4000 personnes par jour en hiver, ce qui donne une projection basse de 1,5 million d'individus pour l'année 2016. Projection basse en effet, car le printemps et l'été sont plus propices aux flux migratoires. Pour comprendre cet alourdissant silence sur les flux qui continuent de se déverser sur l'Europe, nous prenons la route des Balkans. La route inverse de celle déjà empruntée par plus d'un million de migrants ces derniers mois. La route également empruntée par ceux qui ont commis les tueries de Paris en novembre 2015. Les images de l'été 2015, lorsque la route de passage transitait par la Hongrie, ont laissé un sentiment de chaos. On repense à ces images de gares ferroviaires squattées par des milliers de clandestins en transit, à ces autoroutes soudainement accaparées, ou à ces campagnes jonchées de détritus. On repense aussi aux réactions vigoureuses du gouvernement hongrois, largement soutenues par ses citoyens. Comment expliquer l'absence de réaction des gouvernements et des populations des Balkans ? Comment expliquer que ce phénomène soit un sujet marginal du débat public dans ces pays ? C'est dans la petite ville de Šid, commune serbe frontalière de la Croatie, que nous allons trouver réponse à cette interrogation. Šid, une petite ville pauvre de Serbie. Sur la route qui nous mène à la ville, nous trouvons des déchets souillant les chemins. Une vision habituelle sur les routes empruntées par les migrants. Il faut toutefois reconnaître que les quantités de détritus retrouvés
sont moins nombreuses qu'à l'accoutumée. Arrivés en ville, nous ne rencontrons pas de migrants. On nous indique le chemin de la gare. C'est là-bas que les migrants y achèvent leur traversée de la Serbie. En face de la gare, le centre d'accueil. L'accès nous y est refusé. Il faut, paraît-il, demander une autorisation préalable. Même chose pour la gare, nous ne pouvons y accéder au prétexte qu'il s'agit d'une zone ferroviaire frontalière. Ainsi donc, il faut être clandestin pour se promener librement dans ces zones. Dans la rue de la gare, nous croisons des personnes âgées qui habitent la ville. À côté d'un groupe de migrants, elles fouillent les poubelles en recherche de nourriture ou de vêtements abandonnés par les migrants. Nous rencontrons Yelena, une volontaire venue en aide aux clandestins. Elle nous aide à mieux comprendre comment le flux migratoire est organisé de façon plus méthodique chaque jour, et de telle sorte que cela ne perturbe pas la vie des populations locales. On this way, all these things are functioning for more than 2 months. So refugees are coming mostly from Greece and Macedonia to Serbia, entering Serbia in Preševo, and then by trains or by buses coming to this railway station, where they are entering trains that are going straightly to Croatia, in Slavonski Brod. Here they can get some first aid. Here we have doctors, so some medical help. In Serbia, everything is organized through the government of Serbia. There is this specialized institution called Commissariat for Refugees, and they are the main in this one. I mean, they are leading all these movements going of refugees to Western countries. Also, there are MSF, Medical Sans Frontiers. There are UNICEF, Save the Children, People in Need, many different international organizations and many other donors. How do you see this cooperation with the Croatian authorities? On this side, on this point, Šid railway station, we are only dealing with Croatian police. They are the one managing the boarding for on the trains, checking papers, and it's pretty much good going. Daily, about how many people, refugees, used to come to Šid? Now it is going for 3 days for 4,000 people, so four trains per day. Before that, in a whole month, we had 2,000, 3,000. It's been a little bit lower, but per day. And this small number of refugees boarding the train, like I told you in last month, was due to the circumstances in Greece. Bad weather, bad sea for traveling. Day by day, conditions are improving. UNHCR have regular meetings with the government, with commissariat, and everyone is expressing their point of view, but also, you know, their experience and what needs to be improved. And that's how all this thing was made. So day by day, circumstances are improved. Ainsi, après plusieurs mois de tâtonnement face au phénomène migratoire, celui-ci est de mieux en mieux structuré, en particulier dans les pays de transit. Nous ne sommes clairement pas confrontés à une fuite soudaine et désordonnée de réfugiés, mais à une migration parfaitement encadrée et voulue. Nous quittons la Serbie en direction de la Croatie et de Slavonski Brod. Juste après la frontière serbo-croate, nous traversons le village de Tovarnik. C'est dans ce village, suite à la fermeture de la frontière entre la Hongrie et la Serbie en septembre 2015, que les clandestins avaient déferlé en Croatie, engendrant des scènes de chaos. C'est pour éviter la répétition de tels événements, susceptibles d'engendrer des mécontentements dans l'opinion publique, que désormais les flux migratoires sont organisés de la sorte. Ils sont maintenus en dehors des centres-villes et fluidifiés par un système d'écluses où chaque pays de transit attend le signal du pays suivant pour laisser passer le flux de façon ordonnée. Nous arrivons à Slavonski Brod, cette ville d'environ 60 000 habitants et la deuxième ville de Slavonie, après Osijek. C'est une petite ville tranquille, accolée à la Save, un affluent du Danube. En la parcourant,
on peut y voir les traces de son histoire. Les bâtiments typiques de l'époque Habsbourg et de l'Empire austro-hongrois, les constructions moins élégantes de l'époque socialiste yougoslave, ou encore le pont qui relie Slavonski Brod à la Bosnie, qui a été détruit durant les conflits des années 90 et a été refait à neuf. En revanche, pas la moindre trace de migrants dans la ville. Le seul élément notable que l'on peut constater dans la ville même est la présence nombreuse de travailleurs ou de volontaires de la Croix-Rouge, que l'on peut croiser aux heures du repas ou le soir. Un contact local nous conduit au camp de réfugiés, situé à quelques kilomètres de la ville. Il nous permet d'y entrer. Le camp de Slavonski Brod a été construit à la hâte en octobre 2015, lorsque la fermeture de la frontière entre la Hongrie et la Croatie n'a plus permis aux autorités croates d'orienter le flux migratoire en Hongrie, et que celui-ci s'est dirigé vers la Slovénie, traversant ainsi toute la Croatie. Fait remarquable, tout en étant excentré, ce camp est construit autour d'une déviation de voie ferrée. Cela permet ainsi au transport de migrants d'être direct entre Chid et Slavonski Brod. Les migrants sortent du train, sont enregistrés et repartent aussitôt en direction de la Slovénie. Alors que nous sommes arrivés à 11h, le camp est vide et d'une propreté impeccable. On nous signale pourtant que le camp a déjà vu transiter plus de 2000 migrants dans la matinée. La porte-parole de la police de la région nous explique ce processus aux allures industrielles. Prema protokolu između Republike Hrvatske i Republike Srbije, u Srbiji upućuju migrante na željeznički kolodvor u Šidu, otkud se migranti vlakom transportiraju direktno ovdje u Slavonski Brod. Ovdje je riječ o zimskom prihvatno-transitnom centru, gdje migranti u sredini kampa izlaze. Ovdje vlak dakle staje, migranti izlaze. Prolaze kroz ove registracijske linije. Tu se radi kompletna registracija migranata, uzimaju se osnovni podaci, migranti se fotografiraju, uzimaju se otisci prstiju, svi prolaze također detaljnu kontrolu. Nakon toga svim migrantima dajemo svu potrebnu podršku i potporu u hrani, odjeći i drugu potrebnu potporu, a nakon toga se ukrcavaju u vlak i nastavljaju svoj put prema Sloveniji. Tijekom 24 sata jučer u Hrvatsku je ušlo 3249 migranata. Jutros, evo, do 9 sati ušlo je 2097 migranata. Inače, od početka migracijske krize u Hrvatsku je ušlo 549.915 migranata. Inače, ovaj zimski prihvatno-transitni centar u Slavonskom Brodu je počeo sa radom 3.11. i kroz njega je prošlo oko 235.000 migranata. Inače, dnevni prosjek prolaska migranata kroz ovaj centar u zadnjih nekoliko dana je od 3 do 4 tisuće. A inače je kamp predviđen i kapaciteta je za 5 tisuća osoba, no migranti se zadržavaju nekih 2,5 do 3 sata, onoliko koliko je zapravo potrebno da se oni registriraju, da im se pruži sva potrebna pomoć u hrani, odjeći i druga potrebna potpora i onda nastavljaju put prema Sloveniji. Svako može zatražiti azil u Hrvatsku, svi osobe od migranata, no međutim vrlo malo migranata traži azil u Hrvatskoj. Migranti dolaze direktno ovdje u centar, uopće nemaju nikakav kontakt sa ljudima iz grada, tako da se jednostavno ne remeti mir građana, niti jedni, niti drugih. Voilà donc comment le flux migratoire qui se déverse vers l'Europe de l'Ouest transite dans les Balkans. Sous contrôle des gouvernements locaux et des organisations internationales, mais surtout dans un ordre qui ne laisse rien au hasard. Après Slavonski Brod, les migrants sont transportés à Dobova en Slovénie, puis pénètrent l'Autriche via la Carinthie. Enfin, ils arrivent à leur destination, l'Allemagne. D'autres poursuivent encore le chemin, les uns vers les pays scandinaves, en particulier la Suède, tandis que d'autres s'entassent à Calais, dans le but de gagner l'Angleterre. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Et dans quelle proportion ira ce processus? D'après le ministre allemand Gerd Müller, seuls 10% des migrants actuellement en route sont arrivés en Europe. Faudra-t-il également accueillir les 8 à 10 millions de migrants suivants, qui représentent les autres 90%? Le potentiel semble infini dans une Europe en déclin moral et démographique. Aujourd'hui, réfugiés de guerre ou migrants économiques d'un monde arabo-musulman qui s'étend du Maroc au Pakistan. Demain, il y aura aussi toute une Afrique en surexpansion démographique
qui compte aujourd'hui 1 milliard d'habitants, mais devrait doubler ou tripler de population d'ici 2050. Jusqu'à quand Angela Merkel pourra-t-elle clamer à répétition « Wir schaffen das », nous pouvons le faire, comme pour s'en convaincre. Jusqu'où les dirigeants européens et autres ONG iront dans leurs critiques et leurs pressions à l'encontre des gouvernements et des peuples qui s'opposent à cette vague colonisatrice et entendent encore avoir le droit de déterminer avec qui ils veulent vivre. Pour conclure notre tournée peu réjouissante des Balkans, nous nous rendons en Hongrie, à Ashotralom, petit village situé à la frontière entre la Hongrie et la Serbie. À travers ce village, où les fermes et les forêts s'étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres, plus de 100 000 clandestins sont passés en 2015. Nous y rencontrons le maire de ce village, Laszlo Toroszkai, qui est en première ligne depuis le début de la vague migratoire de la route des Balkans à l'automne 2014. Il a été le premier à suggérer la construction d'une barrière à la frontière pour stopper le flux migratoire. Son clip vidéo réalisé à l'occasion de la fermeture de la frontière hungaro-serbe en septembre 2015 a été vu par plus d'1 500 000 internautes. A mai naptól 2015. szeptember 15-től kezdve az illegális határátlépés Magyarországon bűncselekmény, ahogy mától a határon épülő kerítés megrongálása is bűncselekmény. Magyarország határait mostantól egy folyamatosan épülő kerítés, valamint több ezer rendőr és a magyar hadsereg védi. Ashotralom területén őket egy militáns mezőrség és polgárőrség is segíti. Magyarország rossz választás. Ashotralom pedig a legrosszabb. Après une année de chaos migratoire, ce petit village a retrouvé sa quiétude, sa propreté, et la vie reprend avec les préoccupations du quotidien. Laszlo Toroszkai nous donne son opinion sur les lignes de fracture au sein des pays de l'Union européenne au sujet de la question migratoire. Ez teljesen világosan látszik, hogy a visegrádi négyek Európa utolsó reménységei, hiszen Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nem csak szavakban fogott össze, hanem például itt Ashotralomnál is együtt őrizték a határt lengyel, szlovák, cseh rendőrök, akik éppen most a múlt héten mentek haza, az utolsó szlovák rendőr most ment haza, mert most már a magyar rendőrség és a katonaság bőven elég ahhoz, hogy megvédjék a határt. Teljesen egyértelmű, hogy a visegrádi együttműködés, ami eddig leginkább csak üres szavakból állt, az most az illegális migrációnak köszönhetően egy nagyon komoly, akár katonai szövetséggé is tud válni, és ez az Európai Unió védőbástyája lehet, hiszen mi vagyunk itt az Európai Unió határán, a schengeni határ mellett. Ugyanakkor nagyon nagy kérdés, hogy Nyugat-Európa igényt tart-e arra, hogy ez a négy ország, vagy az ehhez csatlakozó esetleges más országok, talán például Horvátország, ha ott végre lesz egy normális nemzeti érzelmű kormány, akkor még kibővülhet, vagy akár Szlovéniával kibővülhet még ez a visegrádi együttműködés. De nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy Nyugat-Európa igényt tart-e ezekre az országokra, amelyek készek vagy hajlandóak megvédeni Európát. Én abban bízom, hogy a nyugat-európai országokban az illegális migráció lesz talán az, amely végre fölébreszti az embereket, végre rádöbbenti az embereket arra, hogy nagyon-nagyon rossz irányba mennek a dolgok az Európai Unióban, és talán Németországban megbuktatják Angela Merkelt. Angela Merkelt csak a németek tudják megbuktatni. Vagy Franciaországban az áruló kormányt csak a franciák tudják megbuktatni. Én nem tudok ebben a dologban segíteni, ez nyilván a francia vagy éppen a német választópolgárok dolga,
és hogyha Nyugat-Európának szüksége van a visegrádi négyekre, vagy az ahhoz csatlakozó országokra, amelyek a saját testükkel védik Európát, akkor azt gondolom van jövője az Európai Uniónak. Ha a nyugat-európai országoknak nem lesz szüksége ezekre az országokra, és itt, ahogy mondtam, a visegrádi négyek mellé még más országok, itt gyakorlatilag Európa mesdjéjén, Európa határán csatlakozni tudnak Finnországtól Horvátországig, hogyha Nyugat-Európának nincs szüksége ezekre a közép-európai államokra, akkor én azt is el tudom képzelni, hogy a jövőben az Európai Unió ketté szakad. És Nyugat-Európa magára marad a sok 10 millió bevándorlóban.